parcours aboutissant à une certification Emergency First Response. Description: l'objectif de la formation Emergency First Response est de renforcer la confiance des secouristes non professionnels pour qu'ils soient plus enclins à agir face à une urgence médicale. Les participants apprennent à suivre des étapes simples pour administrer les premiers secours et s'exercent à pratiquer les techniques dans un environnement d'apprentissage détendu. Tous les cours sont soutenus par des manuels d'auto-apprentissage, des vidéos et des cartes de référence rapides pour améliorer l'apprentissage et permettre de commencer directement. Les cours EFR répondent aux conditions requises de formation en RCP et premier secours pour le cours PADI, Rescue Navaire et tous les niveaux professionnels. La plupart des PADI instructeurs sont également Emergency First Response instructeurs. Les cours EFR suivants sont basés sur des directives reconnues internationalement pour les soins médicaux. Académique Soins Primaires, RCP, ce cours vous enseigne les étapes et les techniques pour gérer des urgences menaçant la vie. Vous apprendrez 8 techniques pour aider des patients qui ne respirent pas, qui n'ont pas de pouls, qui souffrent d'une éventuelle lésion de la moelle épinière, qui sont en état de choc, ou qui présentent un saignement important. Vous apprendrez comment effectuer la RCP, et continuer à surveiller le patient, de façon à offrir au patient toutes les chances possibles de survie, en attendant l'arrivée des secours médicaux. Soins secondaires, premier secours, de nombreuses conditions médicales ne sont pas menaçantes pour la vie, et les secours médicaux peuvent être retardés ou indisponibles. Ainsi, ce cours vous enseigne à dispenser des soins qui rassurent, adoucissent la douleur, et réduisent les risques de lésions plus graves. Vous apprendrez à évaluer différentes blessures et maladies, comment effectuer un bandage et appliquer des attelles. Car for Children, soins aux enfants, ce cours permet aux participants d'apprendre, de pratiquer et d'appliquer les techniques de premier secours à administrer aux nourrissons et aux enfants blessés ou malades. Il est conçu pour ceux qui travaillent avec des enfants ou sont susceptibles d'avoir à répondre à des situations d'urgence impliquant des jeunes. Cette formation est souvent intégrée aux cours soins primaires, RCP, et soins de secondaire, premier secours, RCP et SPRLUADDEA. Ce cours se concentre sur la formation RCP et sur l'utilisation du DEA, défibrillateur externe automatisé, lorsque les conditions sur le lieu de travail ou gouvernemental exigent spécifiquement cette formation. Le cours RCP et SPRLUADDEA répond à la demande. Cette formation est souvent intégrée au cours de premier secours sur le lieu de travail. First Aid Work, premier secours sur le lieu de travail, dans certaines régions, telles que la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, les réglementations gouvernementales requièrent une formation en RCP et secourisme spécifique au lieu de travail. Les programmes premier secours sur le lieu de travail conçus pour ces endroits comprennent des sujets et des techniques supplémentaires pour répondre à ces exigences, tout en suivant l'approche détendue de la formation EFR. EFR Refresher, remise à niveau EFR, il est judicieux de remettre à niveau vos techniques de RCP et de secourisme tous les 24 mois, et le cours EFR Refresher est conçu pour cela. Il met l'accent sur la révision des techniques, vous permettant de rester à jour, et d'être prêt à apporter une aide en cas de besoin. Langue disponible: pour plus d'informations sur d'autres langues disponibles, veuillez contacter Thailand Davin Paddy Div Center.